Avant de réagir, il faut analyser. Il faut analyser correctement. Et nous mettons toujours à la disposition de l'opinion des analyses rigoureuses et sérieuses. C'est le travail d'un parti politique. Évidemment, certains d'entre nous ont tous une opinion pour que le Saint-Esprit nous inspire. Mais nous travaillons beaucoup. Et quand nous faisons cela, c'est pour susciter la réaction des populations. Et donc, nous avons parlé du fichier électoral. Ce que vous pouvez nous demander comme question, c'est est-ce que vous avez demandé la poursuite du l'enrôlement dans la zone maritime où le recensement a été stoppé, alors qu'il y avait des gens dans les files d'attente? Est-ce que vous n'avez pas obtenu quelque chose? Non. Mais est-ce que nous avons raison de demander la reprise, puisque la loi dit que on le droit de se faire enrôler, les Togolais âgés de plus de 18 ans, et donc des Togolais. Il y a deux conditions, être Togolais et être âgé de plus de 18 ans. Est-ce que la CENI peut violer la loi? Non. Est-ce que nous avons les forces armées pour obliger la CENI à respecter la loi? Non. Qui revient dans un régime républicain aux institutions de fonctionner normalement. Donc, la question ressemble à un reproche que vous dénoncez, vous communiquez, vous déclarez, mais vous n'obtenez jamais quelque chose. Qu'est-ce que vous comptez faire cette fois-ci? Bien, et la même question. Ce que j'ai dit sur le recensement est encore plus grave sur le découpage électoral. Analyse méticuleuse. Tout le monde a vu ce que nous avons fait avec les graphiques. C'est notre devoir de le faire pour expliquer. Ça vous permet au Togolais de réagir en toute connaissance de cause. Maintenant, qu'est-ce que nous allons faire? Parce que ce qui se présente là, on ne va pas continuer. C'est un changement de régime. Il y a des gens qui se croient plus intelligents que les autres. Pour moi, c'est des ruses minables. On peut s'adosser à une armée et puis faire des choses. Maintenant, il y a des gens qui se complaisent dans leur position ou dans leur situation d'esclave. Ils sont libres. Il y a des gens comme nous qui n'accepteront jamais ce que fait le régime permettait lui de nous considérer comme ses esclaves. Quand il fait des mandats, son père, parent de militaire, a dit « Je ne veux pas modifier la constitution. » Il l'a modifié. Il a modifié pour que son fils devienne président de la République. Son père l'a fait. Lui aussi, il finit ceci, il fait modifier tel article de la Constitution. Mais jusqu'à quand? Il veut le faire indéfiniment. Non, il va cesser cela. Et je pense que c'est la dernière connerie. C'est la dernière connerie qu'il est en train de faire. Et je mesure bien. Donc, qu'est-ce que nous sommes, nous, on peut faire? Comme d'habitude, vous êtes un peu pressé. Non. Il y a des discussions en nous. Il y a des réactions en nous. Mais vous verrez très bien ce qu'on fera. Moi, je vous demanderai toujours comme ça. Jusqu'à ce que je vous fasse de la politique. Parce que je ne peux pas répondre à cette question-là. Est-ce que vous continuez?
bien en dehors des manifestations, donc en dehors des communiqués, déclarations, condamnations, dénonciations, qu'est-ce que vous comptez faire? Bon, nous comptons